Alors que les fans de Demain nous appartient et Ici tout commence avaient fait une croix sur le visionnage des épisodes en avant-première, TF1 vient d'annoncer la mise en ligne des deux feuilletons en avance sur sa plateforme MyTF1 Max. Bonne nouvelle pour les fans de Demain nous appartient et Ici tout commence. Les deux feuilletons de TF1 sont désormais disponibles avec 2 jours d'avance sur MyTF1 Max, la plateforme de replay de la chaîne. Depuis le 3 février, date à laquelle Salto, la plateforme de streaming made in France, avait arrêté de mettre en ligne en avance les épisodes de 2 séries, les téléspectateurs les plus impatients n'avaient d'autre choix que de se rendre sur Canal VOD afin de louer ou d'acheter les épisodes avant leur diffusion à l'antenne. Une solution onéreuse qui coûtait 0,99 centimes par épisode, ce qui revenait à environ une 20aine d'euros par mois et par feuilleton. À titre de comparaison, l'abonnement à Salto coûtait 6,99 euros par mois. Pour répondre aux frustrations des fans, TF1 a ainsi décidé de mettre en place un nouveau système qui réjouira les plus empressés. Les épisodes de Demain nous appartient et Ici tout commence sont désormais disponibles en avance sur MyTF1 Max, son offre de replay payante qui permet de regarder les contenus du groupe TF1 en qualité HD, sans coupure publicitaire, et avec une durée de rattrapage étendue. Avec l'ajout des séries en avant-première, La Une a cependant augmenté ses prix. Il faudra désormais compter 4,99 euros par mois, contre les 3,99 euros précédemment. L'abonnement à l'année passe ainsi à 49,99 euros, soit une économie de 2 mois offerte en comparaison du prix mensuel sur 12 mois. Les feuilletons quotidiens de TF1 ne seront bien sûr pas les seuls programmes de la chaîne privée à être disponibles avant la diffusion. Début janvier, MyTF1 Max avait ainsi mis en ligne en avant-première l'intégralité de Lycée Toulouse-Lautrec et de la saison 5 de Balthazar dès la première soirée de diffusion. La plateforme permet également d'avoir accès au replay jusqu'à 30 jours au lieu de 7 jours et tout cela sans coupure publicitaire.